Coucou, c'est Loka. Alors comme vous pouvez le voir, la situation est... elle est pas belle, hein. Alors je vous explique, là on est mercredi, je vous posterai la vidéo aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi je fais comme ça. Il se trouve que hier soir, j'étais chez moi et tout. Et un seul coup j'ai glissé. En fait j'ai levé la jambe et en fait je suis partie en arrière. Au milieu de mon salon. Voilà. Donc j'ai chuté. J'ai fait une énorme chute. Le coccyx a tapé. Les deux bras ont tapé par terre. Donc du coup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le SAMU. Ils sont venus me chercher. Voilà, donc je me suis retrouvée aux urgences. Et donc, j'ai passé une radio. Bon, ça a été long. Vous imaginez bien les urgences. Si vous êtes déjà passé par là, c'est extrêmement long. Donc du coup, j'ai passé ma radio et tout. Et ensuite, j'ai vu un médecin. Malheureusement, j'ai une fracture du coude. Alors, c'est une fracture de la tête radiale. En fait, je crois que c'est l'os le gros os qui est au niveau du coude. Enfin, c'est un os du coude, quoi. Donc voilà. Là j'ai des médicaments à aller chercher. Alors quand vous aurez vu cette vidéo, je serai sans doute à la pharmacie ou je serai passé à la pharmacie. Donc j'ai des médicaments à prendre. Donc c'est à base de. Alors c'est. Attendez. C'est de l'isalgie. Donc je ne connaissais pas. On m'a dit que c'était. À base de, en fait, c'était à base de. C'était un anti-inflammatoire basique, mais il y avait de l'opium. Donc j'espère que ça va faire effet parce que là, il est actuellement 5h du matin quand je vous filme cette vidéo. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'arrive pas. En fait, la position la mieux pour moi, c'est là, celle que j'ai actuellement, donc assise. Voilà. Là, il va falloir que j'appelle. Je serai certainement aussi en train d'appeler. Il faut que je passe parce que j'ai ma radio là, mais il faut que dans 8 jours je passe une autre radio et que je vois un chirurgien. En fait, c'est un ortho. Attendez, je vais vous dire. C'est un cabinet d'orthopédie, mais c'est un chirurgien. Pour voir si il faut opérer ou non. Bon, dans tous les cas, j'en ai pour plusieurs semaines, ça c'est sûr. Voilà. Je trouve pas mieux en fait, tout simplement parce que j'ai mal, je suis crevée. Je n'en peux plus, j'espère qu'une fois que j'aurai mes médocs, j'arriverai à dormir. Donc autant vous dire que les vidéos gaming, c'est mort. J'ai envie de dire au moins. Parce que moi, on m'a donné entre 6 et 8 semaines. On verra suivant si je me fais opérer ou non. Mais dans tous les cas, j'en ai au moins pour 2 mois minimum. Donc les jeux, voilà, c'est fini pour l'instant. Pour tout ce qui est tout ce qui est sur la chaîne principale comme cette vidéo, je vous la ferai comme ça. Là ça va, j'ai un support qui tient mon téléphone, donc ça va, puis la main gauche elle va à peu près, même si j'ai très mal. Voilà, donc je tenais à vous tenir au courant pour pas que vous soyez inquiétés de ne pas voir de vidéo. J'avais des rendez-vous, du coup, je vais tout annuler. Voilà.
Pour aller voter dimanche, je ne sais pas si je serai capable. Parce que voilà. Ça me saoule. Déjà que j'avais pas envie, mais alors là, c'est pire. Je verrai. Je verrai. Donc là, on est mercredi. Donc je vais commencer mon traitement. Enfin, ouais, mon traitement. Mes médicaments. Je vais voir comment ça se passe. Si vraiment dimanche ça va pas, ben. J'irai pas voter, tant pis. Voilà. Et puis, ben c'est pareil, je vais voir la famille, mais je sais pas si je pourrais les voir. En plus, c'est de la famille qui vient de loin. Et bon, ben soit je demanderai à y aller, mais il faudra venir me chercher parce que dans l'état actuel, je ne peux pas conduire du tout. Donc, je ne peux plus conduire, je ne peux plus faire d'ordinateur. Là, j'ai éteint mon ordinateur hier, enfin, cette nuit quand je suis rentrée. Je peux plus faire de DP, je peux plus faire de colo. En fait, je peux plus rien faire. Voilà. Je sais même pas comment je vais faire pour me faire à manger. Donc, il va falloir que je trouve des astuces. Si vous avez des idées de nourriture facile, hein, je dis bien facile à enlever vous savez, l'opercule ou facile à tout ça. Je suis preneuse, malgré que je pense que mon avis, ben, je vais pas beaucoup manger, je vous avoue. En espérant, hein, on espère que du côté gauche, ça se rétablisse assez vite. Là pour vous dire actuellement là je commence à avoir faim d'ailleurs et voilà donc du coup bah pour rentrer j'ai appelé un taxi et puis donc j'ai appelé un taxi et donc voilà je suis rentrée chez moi et j'essaie de me reposer, mais j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à dormir. En plus, à un moment donné, je pense que j'ai fait une chute de tension parce que j'étais vraiment mal. J'avais la tête qui tournait à moitié, j'étais en sueur, enfin, c'était une horreur. J'étais toute comment on dit? Faiblarde. Enfin, j'étais toute faible. Heureusement, j'étais allongée, j'étais dans mon lit, mais j'étais pas bien. Je suis très fatiguée là, j'en peux plus. Donc je vais me reposer à fond. Pour ceux qui ont mon tel ou enfin ou mon téléphone portable, que ce soit Facebook, même sur Facebook, vous pouvez si vous avez. Sinon vous passez par Sissi. Si vous voulez m'envoyer un message, sinon vous mettez un commentaire, mais sinon si vraiment vous voulez me dire quelque chose un peu plus personnel, on va dire, un message un petit peu plus privé, et ben vous passez par Sissi si vous la connaissez. Et puis sinon, bah vous mettez un commentaire. Et alors je pourrais pas forcément répondre parce que voilà. Mais j'essaierai. Au moins, je mettrai un. Non, je mettrai un j'aime et un cœur. Ça voudra dire que je vous ai lu, j'ai vu et que j'ai lu. Voilà, tout simplement. On va faire ça, on va faire simple. Sinon, ben, à part les douleurs là, j'ai mal au dos. J'ai mal au niveau des côtes, ça me fait mal. J'ai mal dans le dos, ouais, j'ai mal au coccyx aussi. J'ai mal au niveau de la nuque. Parce que ben, quand j'ai chuté, ben, j'ai vraiment chuté en arrière. Mais ça va, j'ai rien. Parce qu'ils m'ont fait une radio aussi du dos. Et on m'a rien dit là-dessus. C'était vraiment le coude qui a pris le plus. Voilà. Donc je sais pas encore comment je vais m'occuper. Je sens que pareil, je vais péter un câble. Mais tant pis, je vais faire avec.
Et je regarderai vos vidéos, forcément je les regarderai. Enfin, j'essaierai de les regarder sur YouTube si je suis pas trop crevée. Si j'ai regardé un morceau et puis que je m'endors, faudra pas m'en vouloir. C'est les médocs qui vont me sauter. Et puis je vous tiendrai au courant. Je vous donnerai les dates lesquelles tout se passera. Mais je vous donnerai des nouvelles. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, écoutez, voilà, je tenais à faire cette vidéo pour vous prévenir quand même, pour pas vous laisser en plan. J'espère que ça vous a pas inquiété, mais pas rassuré non plus, quoi. Enfin, ça vous a, je sais pas comment dire. Bref, vous connaissez le mot. Je vais pas dire que ça vous a plu parce que c'est pas drôle, mais voilà, donc je vais vous laisser et écoutez, je vous dis, j'espère à bientôt, hein. Et puis sinon, si vraiment ça va pas, enfin que j'arrive pas, pareil, je passerai par Sissi qui vous donnera des nouvelles vite fait dans un vlog. Pendant qu'elle fait une création et tout ça. Et voilà, je pense que ça posera pas de soucis. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je peux pas trop faire bye bye, donc je vais faire comme ça. Bye bye!